du confort et rien d'autre. Température hivernale, ciel grisonnant. Le match de rugby Angleterre-Écosse, organisé au stade de Twickenham ce samedi 4 février, ne s'est pas déroulé dans les meilleures conditions météorologiques. Pour parer le froid, la princesse Anne, qui a assisté au match aux côtés de son mari, Timothy Lawrence, et de son gendre, Mike Tindall, a opté pour un look décontracté. En effet, la princesse s'est emmitouflée dans un manteau noir, doublé de bleu ciel, avec un pull en tricot et un col roulé vert. La fille d'Elisabeth II a également porté un bonnet noir avec un pompon qui a fait sensation. Et pour cause, il s'agit d'un couvre-chef vendu par Barbour pour la modique somme de 27,95 livres. Voici le superbe bonnet alnouïque avec un fil épais élégant et un ourlet contrasté en côte, a écrit la marque Barbour sur son site, a rapporté l'Express. Co.uk. En contraste avec la tenue de sa compagne, Timothy Lawrence a préféré opter pour un look plus guindé. Tout en élégance et en sobriété, l'officier de marine a porté un superbe pardessus gris foncé avec une chemise blanche éclatante et une cravate de couleur bleu marine. La princesse Anne et son compagnon ont donc pu assister avec style à la victoire des Écossais. Car, oui, sous les yeux de la marraine de l'équipe de rugby écossaise, les Tisseuls ont battu les Anglais 29 à 23 lors du tournoi des Six Nations. Supérieur à supérieur à le chignon iconique de la princesse Anne à travers le Temps Princesse Anne, un calendrier chargé même si elle n'a pas pu assister à la victoire de son pays, Princesse Anne a pu prendre du temps pour décompresser. Et c'est bien là l'essentiel. Depuis le début de l'année 2023, la fille d'Elisabeth II avait multiplié les déplacements. Elle avait notamment commencé avec un voyage à Chypre, où elle s'était rendue à la zone démilitarisée de l'ancienne colonie britannique, avant de s'envoler vers la Grèce dès le 16 janvier pour les obsèques du roi Constantin II. Quelques jours plus tard, l'héritière de 72 ans avait repris l'avion pour se rendre au château de Kadriorg, en Estonie. Enfin, la princesse est revenue le 29 janvier dernier sur ses terres anglaises pour célébrer le service religieux à l'église Saint-Marie-Magdalène, à Sandringham. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamel.